Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis en compagnie d'Argeltol, qui est de retour. Vous l'aviez vu il y a très longtemps sur un rapport de bataille Warhammer 40 000. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et j'ai à ma droite Gros Pif, qui nous vient de la 20e Légion, une association sur Fontenay. Vous êtes là aujourd'hui pour du rapport de bataille. Avec quoi tu es venu, mon bon Argel? Avec de la doc pour faire la bagarre. Les Daughters of Cain vont affronter l'armée de Gros Pif. La destruction en Iron Jaws. Pour faire la bagarre aussi. Pour faire la grosse bagarre. bagarre aussi. Particularité, c'est que toi, t'as un bon gros mocrochat. Et Argel, toi, t'es venu avec Morati. Avec maman. Deux armées solides, costauds, la bagarre. C'est parti pour le rapport de bataille. Ok, alors ce soir, je viens en Daughter of Cain. Alors, mon armée à 2000 points va se composer d'une Slaughter Queen sur Chaudron, accompagnée de deux Hack Queen, accompagnée d'une petite méduse, de 30 sisters équipées en fouet barbelé et bouclier, de 30 furies équipées en double dague et de 10 sisters équipées aussi fouet barbelé. Avec ça, il y aura 5 Kinerae, Air Trenders et forcément le meilleur pour la fin, la maman Morati pour faire la bagarre. Alors, mon armée sera du temple Agnar, le temple de Morati. Et donc pour les sorts, Morati aura le Suaire du Désespoir, qui fait que je cible un ennemi visible à 18 pas, et il aura moins 1 en bravoure. Si je fais 8 ou plus, il aura moins D3 en bravoure. Ma petite méduse aura le sort signature des Daughters of Cain, le rasoir mental, qui améliore la reine de 1, et si mon commandement est supérieur, les dégâts plus 1. Donc là, on commence à avoir de la furie, de la sister, et même de la Morati, commence à tabasser sec. Ma première Hack Queen aura la prière catéchisme du meurtre, qui fait que pour chaque 6 pour blesser, j'aurai 2 touches. La deuxième aura Martyr Sacrifice, qui cible une unité doc à 14 pas, et si on me tue au cac sur un 5+, mon ennemi prendra une blessure mortelle. Ça c'est pour les Orcs. Et la dernière, ma Slaughter Queen, qui sera ma générale, aura le sort, la prière plutôt, Blessing of Cain, qui me fait relancer mes Field No Pain ratés. Ah, du coup, moi, je suis venu avec une armée tout en amour d'Iron Jaws, en allégeance Iron Jaws classique. Et donc, dans l'armée, j'ai mis un Mokrocha, qui sera un méga boss sur Mokrocha classique. Et après, donc, comme autre personnage, j'avais avoir un Weird Boy Shaman, un War Chanter, et puis un petit allié, un Bone Splitter, un Wargulk Prophète, qui va me permettre de gagner des points de commandement, de balancer un peu de mortel. Après, dans mes troupes, je vais avoir un bataillon Iron Fist qui va comprendre 3 Gorgonta, 2 packs de 15 Hard Boy voilà, pour balancer plein de caresses, et 10 grosses brutasses dont le chef sera mon nob, mon équivalent de mon nob de mon bataillon Iron Fist. Et du coup, pour accompagner tout ça, en relique, je vais équiper le Mokrocha de l'amulette éthérée, qui va permettre d'avoir une 3+1 vue, qui va lui permettre de bien tanker. Mon général sera le Wernov Shaman, qui va avoir le trait de seigneur de guerre maître des arbres, qui lui permet d'avoir un +1 pour lancer ses sorts et pour dispel et conjurer, mais il n'y aura pas de sort persistant là dans la partie. Et il va également avoir une relique, grâce au bataillon je peux avoir une deuxième relique, qui va être la cape chamanique, qui va lui permettre d'avoir un +1 supplémentaire pour caster, donc il aura un +2 en tout. Et voilà, et maintenant ça va être plein d'amour. Présentation du scénario joué aujourd'hui sur ce rapport de bataille. Nos deux joueurs vont se déployer sur le face-à-face et donc sur cette bande de déploiement. C'est une zone de 18 pouces qui va les séparer l'un de l'autre au centre de la table. On va avoir la méthode de scorer du scénario point focaux du manuel du général 2019. À savoir, les joueurs marquent un point s'ils contrôlent les deux objectifs qui sont dans la même zone. Donc à savoir, celui-ci, celui-ci, ou alors celui-ci, celui-ci. Et ils marquent 3 points s'ils contrôlent les objectifs qui sont face à face. Donc soit celui-ci, celui-ci,
ou alors celui-ci et celui-ci. Les joueurs marqueront 2 points s'ils contrôlent l'objectif central, donc que vous avez en plein milieu. Au niveau des décors, les dés ont été jetés afin de déterminer les effets de chacun chacune des zones. La forêt qui est ici va permettre à un personnage de gagner un dispel s'il est dans l'aura de 1 pouce du décor. La maison que vous avez là-bas, elle va mettre moins 1 à la bravoure aux unités qui sont à 1 pouce de ce décor. La zone rocheuse que vous avez là, elle offre un Feel No Pain à 6+. Toujours aux unités qui sont à 1 pouce de ce décor. Et la forêt a l'effet d'une forêt, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme occultant les lignes de vue. Pour finir, le décor que vous avez dans l'objectif central, eh bien, aura l'effet un petit peu du décor, c'est-à-dire que vous pourrez faire un sacrifice, prendre des 3 Mortal Wound dans votre unité et grâce à ça, relancer les 1 pour toucher, ça fait pas mal de choses. On va laisser immédiatement nos joueurs commencer le déploiement avec les premiers jets de dés, tout en sachant qu'au début de la partie, gros pif a moins de pause qu'Argeltol, et donc ça sera systématiquement lui qui déterminera qui commence à jouer. On va commencer ce rapport de bataille. Donc, avant de commencer la partie, petit placement de produits des familles de notre partenaire Crank Wargame qui nous fournit le beau tapis de jeu que vous avez là et notre ami MyScenary qui nous a prêté les décors que vous avez ici et ici, ainsi que les objectifs Age of Sigmar. On va jeter le premier dé, celui qui gagne le GD va pouvoir choisir son côté et y mettre sa première pose. Gros pif a le dé blanc. Blanc. Argel a le dé. Rouge. Rouge. C'est parti pour le jet de dé. Ouh. Oui. Oh. C'est moi. C'est ton Argel dernier 6. Qui choisira. C'est le dernier 6 que tu feras. Ouais, c'est simple. Toi qui vas choisir ton côté, poser la première unité et on se retrouve une fois que vos déploiements sont finis. Alors c'est moi qui ai gagné le jet de dés, donc j'ai choisi mon côté, donc je me suis mis de ce côté-là, histoire de lui laisser le décor pourri, qui lui fait faire les moins 1 à la bravoure, s'il n'est pas collé. Donc ma première pose très courageuse, comme un doc, Mekinerae en frappant en profondeur, histoire de voir comment lui va se déployer. Alors moi aussi j'ai commencé par déployer des petits personnages avant de déployer mon gros pack, donc j'ai d'abord mis mon Wernob Shaman, collé pareil au décor mystique, qui lui permettra d'avoir un petit dispel supplémentaire. Ça mange pas de pain. Alors moi, pour contrer ça, parce que celui-là, je l'aime pas du tout, parce qu'il a le dad jump, et c'est vraiment le sort qui me fait peur, j'ai mis ma méduse à 30 pas pour le dispel. Donc la méduse est équipée de la Shadow Stone, qui me donne plus 1 pour caster mes sorts, et permet de relancer les sorts de l'ombre. Et j'ai continué à poser des persos. J'ai mis mon Wargog, je crois que c'est ça, Wargog Prophet, hein, le Bone Splitter, le Shaman Bone Splitter, en plein milieu, parce qu'il a un sort perso à 24 pas qui permet de balancer de la mortelle, et ce qui marche plutôt bien sur les gros packs. Et donc ça me permettait d'être plein centre pour éventuellement pouvoir asmater au premier tour quelques petites fifilles. Alors moi, j'ai mis ensuite mon chaudron en plein centre. Pourquoi? Parce que c'est mon seigneur de guerre et qu'il a une aura à 18 pas Willy Wizin, donc de chaque côté, pour qu'il leur donne plus 1 en sauvegarde. Donc comme lui, il va pas trop me faire mal au tir à mon avis, ça va plutôt être de la bagarre, histoire d'aller en plein centre, comme ça elle couvre une grande zone. C'est à toi. Et j'ai continué les personnages en mettant le War Chanter. J'avais pas précisé la danse supplémentaire qu'il avait, qui est la danse qui permet de soigner. Donc à chaque phase de héros, je lance sur un dé, sur un 4+, choisis une unité à proximité, elle peut récupérer des 3 PV. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain non plus. Et ça fait pas de miettes. Ça, c'est pour toi, celle-là. Alors ensuite, moi, pour contrer un peu son rideau, j'ai mis mon pack de 30 sisters devant. C'est pas les plus opti parce qu'elles sont plutôt fortes normalement en deuxième rideau. Mais là, il me fallait que je puisse encaisser sa première charge qui va faire à mon avis assez mal. Donc c'est les plus équipées avec le bouclier et l'aura. Donc elles auront leur petite save à 4+ et le Feel No Pain à 5. Donc je pense que ça va tenir. C'est à toi. Et moi, du coup, après, j'ai posé tout mon bataillon. Donc j'ai mis deux packs de Hard Boy.
J'en ai mis un pas très loin du War Chanter pour avoir le buff le plus en damage à 15, qui reste quand même à 24 du petit chaman pour être éventuellement téléporté. Le deuxième un petit peu en arrière, les grosses brutasses devant, et voilà, en façon orc, hein, de toute façon on est devant, on va y aller. Les Gorgrunta devant qui vont aussi foncer tout droit, avec peut-être une charge T1 potentielle pour aller se positionner. Ça va piquer ça. Quand Papayou il va charger, ça va piquer. Donc moi, bah du coup, deuxième rideau, j'ai mis mes furies pour essayer, bah pareil, d'encaisser la première charge avec les sisters. J'ai mes deux petites prêtresses qui sont ici, donc à trois pas de mes unités pour pouvoir les buffer, leur donner l'immu moral, la reroll des blesses. Ensuite, un petit pack de 10 là au milieu pour savoir, je sais pas dans quel côté il va vouloir aller. Donc, comme elles ont une grande mobilité, elles peuvent advance et charge, elles sont un peu mobiles. Bah, maman au milieu, parce que maman, voilà quoi, une fois qu'elle va se transformer, bah, elle va piquer. Elle va et puis surtout, elle est à 30 de tous ses sorciers. Et vu qu'elle a 2 dispels et plus 1 pour dispel, et ben, je compte bien là-dessus pour l'empêcher de dead jump, quoi. Bah, je crois que je vais commencer. Bon plan rusé mais brutal ou brutal mais rusé orc, je vais aller droit devant. Donc j'ai prévu, grâce aux habilités de commandement, de faire avancer le pack de Gorgontin d'un premier mouvement de 9 en face des héros, qui pourra après rebouger de 9, donc ils seront normalement à portée de charge du pack de Slaughter. Même chose pour un point de KO avec le mot crochat. Et après je vais faire mes buffs en face des héros, et puis essayer, c'est là où ça va peut-être être plus compliqué, de faire dead jump un pack d'orques également, enfin plutôt main de gork pour rester dans le fluff AOS. Même chose pour essayer de faire une grosse alpha en essayant d'une part que le sort passe et qu'après ma charge puisse passer. Premier round, à chaque round, grâce à Wargog, je peux gagner un point de co sur un 4+. Donc je commence déjà avec 2 points de co, donc moins 1 point de co parce que j'ai un bataillon, ouais. Et point de co pour le premier round. Okay. Et donc sur un 4+, et là, ça me fera 3 points de co. C'est carré. Et bah c'est gratuit. Donc je vais faire une première aptitude de commandement avec ma chef Brutas, qui est donc le big boss de mon bataillon. Donc il a 2 points de vie grâce au bataillon et qui peut gratuitement, une fois par tour, déclencher l'aptitude de commandement d'Iron Jaws, ouais. Méga destructeur ou super destructeur. Et je vais le faire sur les Gorgrunta. Ouais. Comme ils sont à plus de 12, ils vont pouvoir faire un move gratuit de 9. Après, l'autre aptitude de héros, je vais faire la même chose avec lui. Donc okay. Là, ça va me coûter un point de commandement. Même chose, il va pouvoir bouger de 12. Après, je vais, avec le Roi Chanteur, buffer ce pack de hard boy. Bon, je vais même buffer le mot crochat plutôt, parce que lui est sûr de d'y aller. Et après, ce sera les sorts. Donc, j'essaierai de téléporter ce pack-là, de faire de la mortelle avec lui, et je crois qu'on sera pas mal. Ok, on va te laisser faire tes moves, et on se retrouve pour la suite et potentiellement les premières tatanes. Donc, premier sort, le Wargog Prophet, qui va lancer son sort signature qui s'appelle Point de Gork. À 24 pas, je choisis une unité, donc par exemple une petite unité de 30 furies. Ouais. Et ça passe sur du 5 déjà, on va essayer. Sur du 7. Je dispel. Avec Momo. Avec Momo. Parce qu'elle a plus 1. Allez, Kane. Oh, ah oui, c'est bon, ça dispel. Putain, heureusement. Si ça passait, je prenais autant de dés qu'il y avait de figurines dans l'unité choisie. Et sur chaque 6, ça faisait une mortelle. Autre sort, bah, je vais faire main de gork. Enfin, main de gork. Oui, main de gork. Catapulte. Le dad jump. Le dad jump. Donc lui, c'est mon seigneur de guerre. Et son trait de seigneur de guerre lui permet d'avoir plus 1 pour relancer les sorts. Et il a la cape chamanique. Cranique, je ne sais plus quoi, qui lui permet d'avoir plus 1 supplémentaire, donc il a plus 2. Donc main de gork, normalement, ça passe sur du 2+, sur du 5, sur du 7, pardon, sur du 7, donc sur du 5, ça oui. Ne passe pas. Oui, je respire. Tout mon plan tombe à l'eau, donc je vais passer en phase de mouvement. Vous voyez la configuration sur laquelle il est au début de sa phase, on se retrouve ensuite. Fin de la première phase de mouvement de Gros Pif, explique-nous un petit peu tout ce que tu nous as préparé. Eh ben, j'ai fait à peu près ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire avancer tout droit. Mokrocha, Gorgrunta sont en position pour charger à 3 pouces de la première unité. Donc normalement, c'est séparatable avec le plus 1 en charge.
et tout le reste a avancé globalement avec plutôt des bons jets d'advance pour se mettre un peu en position en centre de table, prendre l'objo. Mes deux petits persos sont restés en arrière. Alors je sais qu'il y a les Kinerai qui traînent en FEP, mais normalement ils devraient pouvoir tanker l'arrivée des Kinerai et voire même leur répondre un peu dans la mouille si elles veulent se rapprocher un petit peu trop. Et j'ai un peu de tir, j'ai le mot crochat seulement qui va pouvoir hurler dans la tête d'EDOK et qui s'est mis à 8 de Morati. Donc il va essayer de beugler dans la tête de Morati. Donc le mot crochat va balancer des 6 attaques, il touche sur du 2+, mais il cible un individu qui lui donne moins 2 pour toucher. Donc il touchera sur du 4+, ça sera moins 1 en pénétration d'armure et 1 damage. Donc déjà, nous balance le décitir qui fait plaisir. Allez. 3 sur du 4+. Sur du 4+. Ça fait une. Une. Ça peut suffire. Sur du 3+. Une à moins 1. Allez, pour un petit P. Alors, PV sur Momo. Morati a une sauvegarde de 4+. Elle est dans l'aura du chaudron, donc 3+. Moins 1, 4+. Et ça tank. Ok. Je pense que c'est ton seul tir. Là. Ce sera mon seul tir. Voilà. C'était le tir des orques. C'était bien. C'était un grand moment de cohésion, d'amour. Du coup, on passe immédiatement à la première phase de charge. Alors, première charge, le mot crochat. Hein. Hop, c'est parti, plus 1. De toute façon, je peux pas aller beaucoup plus loin. Ça donc, fait une je vais 9. Impacter. Ça rentre. Boum. Front phase. Tac, je vais essayer de pas te grimper sur front le socle trop. Deuxième charge, ça devrait pas être trop un problème non plus. Une charge à 3 avec plus 1 sur 2D, ça devrait être bon. Oui. Quand je dis que je suis en train d'épuiser mon pas de capitaine. Oh le goret quoi. Ah, c'est le cas de le dire, le goret. Charge à 12. Charge à 12. Voire à 13 même. Hein. Ouais, même à 13, ouais. Charge à 13. Donc, on le laisse placer ses sangliers et on se retrouve pour les premières tatanes. Impact réalisé avec le mot crochat et les. Et du coup, t'as des jets d'impact. J'ai des jets d'impact, donc je vais commencer par les sangliers. Donc je lance un dé par sanglier. Sur un 4+, je fais une mortelle. Ça en fera une. Une. Moi j'ai un Feel No Pain à 5+, parce que je suis du temple Agnar. Et non, eh ben. Agnar Losbrock. J'ai d'impact avec le mot crochat, sauf que lui jette 8 dés et c'est sur du 5+, qu'il impacte les mortels. C'est parti pour le jet de dice. Ça en fera 3. Ouais, 3 Feel No Pain, mon petit Argentol. Allez, c'est parti. Eh ben 3 à 5, regarde comment on tank. Voilà comment on tank. En statistique, hein, sur 3 c'est normal. Ouais. Deux mortes, deux plus. Pop, donc toi, t'as perdu trois sisters. Trois petites biatches. Alors, je crois que je vais activer d'abord les Gorgrunta en premier. Eh ben, c'est parti, ils vont taper. Alors, pour rappel, ils tapent. Alors, ce que tu as fait, c'est que tu t'es mis ici pour que lui capte l'aura du Feel No Pain de ce décor-là. Tes gars ont 3 attaques et leur... En ont 4, ça fait 7 attaques par socle. Ça balance quand même un certain nombre de taquets. On se retrouve pour le jet de dés. Donc les Gorgrunta, donc je vais faire d'abord taper les cavaliers orques. Donc ils ont 3 attaques par tête, parce qu'ils sont équipés de Gorgrunta, enfin de lance. Voilà. Hein, qui tapent à 2. 3 attaques, donc 3+, 3+. Reine moins 1, dégâts 1, mais en charge, ils ont plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser. Donc ça va faire 2+, 2+. C'est propre. C'est parti. On y va. Les petits, hein, les familles. Ensuite, le jet pour blesser. Ça en fait donc 7. À moins 1. Alors, moi, elles ont une sauvegarde avec le bouclier à 5+, qui passe à 4 avec l'aura du chaudron, donc il repasse à 5, et les 6, c'est dans ta mouille. Il y a un 6. Alors. Un 6 qui colle les mortels, c'est ça, un retour? C'est ça. C'est propre. Hein. J'ai 3 Feel No Pain à 5, et ben, une morte. Voilà. Ouais, il est comme ça. C'est pas le manque de respect. Le petit Feel No Pain, je vais essayer de la mortelle. Ouais, je vais essayer de l'annuler également sur un 6. Ah bah non. Donc il a jeté le Feel No Pain avec, PV. Bien sûr, sur lui, puisqu'il était à portée du décor. Ok, et maintenant on va avoir droit aux attaques de. Des cochons. Les cochons. Ça ne compte quand même que pour un. Stade des cochons. Alors les cochons, ils balancent 4 attaques. Ils touchent sur du 4, ils blessent sur du 4. Pas de PA. Par contre, pareil, en charge, ils ont plus 1. À la touche et à la blesse. Donc 3+, 3+. Donc 12 attaques, 3+. On retire ça. Plutôt propre. Ça 3 va. Plus pour 3 blesser. 3 plus pour blesser. Ça en fait également 7. Il y a de la rend. Pas de rend cette fois-ci. Ah, ce coup-là, j'ai une 4+. Et les 6, c'est pour toi. Oh non. Encore un 6.
En 6 et puis tu rates bien là. Vas-y, ouais. File le pain à 6. À 5, 5, 5. 5, ouais. Tu vas sortir le cochon là. Ah, les cochons font, font le taf. 6 ouais. Mortes. Et donc le Fino Pain également. Oui, bien sûr. Pop, pop, pop. Et bah c'est bon. Ouais. Tout, tout, tout. La particularité d'AOS, c'est que c'est toi qui reprends la main pour taper. Tout à fait. Du coup, tu vas tiper, activer tes petites biatches, tu vas taper. Et après, c'est le mot crochat qui va. Tartiner le groin. Finir la séquence. Donc là, Jérém a rendu l'appareil. T'as rien fait sur le mot crochat. Non, il a tout tanké. Il a tout tanké. Et ici, tu lui as enlevé 3 PV sur celui qui était déjà abîmé. Donc il en a perdu 4. Il lui reste plus qu'un point de vie. Et maintenant, c'est le. D'activer Papayou. La bête Papayou. Oh, papa. Raconte-nous tout, gros pif, ça dit quoi? Donc gros papa, donc il va avoir 8 attaques grâce au méga boss qui est dessus. Ouais. Il est, il a été buffé par le War Chanter qui lui a fait la petite danse qui va bien. Donc il a plus un dégât, donc il va faire 8 attaques sur le 3+, blessé sur le 3+, et dégâts qui passent de 2 à 3. Ok. Et après il y aura la grosse bestiole. Allez, on fait déjà taper papa. Alors, gros papa, 8. 3+. 3+. C'est propre. On fait 6, 3+. C'est mieux. Ok. C'est save à 5 et les 6, c'est pour toi. C'est beau. Donc ça fait 9. 9 blessures. Pour nos amis qui ont l'habitude de voir du 40 000 sur la chaîne et qui découvrent un peu Age of Sigmar, les multi-damage en fait impactent d'autres socles que la figurine qui bouffe le damage. C'est-à-dire que 3 attaques qui font 3 damage chacune, ça fait qu'en gros il peut perdre 9 figurines. Déjà tu vas faire 9 feel no pain surtout. Ils sont tous là. C'est parti. À 5+. Allez les filles. Ça en sauve 2. Donc ça fait 7 mortes supplémentaires. Et après il y a les taquets 3, 4, du... 5, de la grosse bestiole. De la grosse 6, bestiole. 7. Donc pareil, qui a 8 attaques également. La grosse bestiole, donc elle a un trait de monture. Donc c'est une grosse bestiole qui est méchante. Donc elle va avoir plus un dégât de base grâce à son trait de monture. Donc de 2, elle passe à 3. Et grâce au chant du War Chanter, ses dégâts sont encore augmentés de 1. Donc elle aura dégâts 4. Donc elle va pareil taper sur le 3+, et blesser sur le 3+. C'est parti. Hop. On blesse sur le 3+. Ça en fait 3. Il y a de la rend. Rend moins 1. Eh ben, on refait la même. Enfin, du 5. Non, pas la même. Si, si, on fait la même. Oh là. On fait la même. Donc, c'est 4 dégâts par. Donc, ça fait 12. En stats, elle meurt pas toutes. En stats. Ouf, bah, c'est que en stats. Bah, il en reste une. Non 3, 6, 9 et 10. Donc, fin de mon tour. Donc, j'ai quasiment nettoyé le pack de Sister. Il en reste plus que 3. Et du coup, je vais pouvoir scorer 4 points en capturant les deux objectifs qui sont dans mon camp pour un point chacun et le central pour 2 points. Donc 4 points. Ok, et Argel, qu'est-ce que tu fais avec tes deux petites billages? Tu les sauves du Battle Shock? Alors elles meurent? Il m'en reste 3 d'abord. Déjà. Et pas 2. Non, je vais pas les sauver. Ok, et bien qu'elles meurent. Et après, on te passe la main pour ton premier tour. Alors, bah, il m'a fait super mal. Il m'a pris 36 heures. Bon, c'était prévisible, hein, c'est pour ça qu'elles étaient là. Donc là, le but, ça va être de gérer d'abord les cochons. Ouais. Et essayer de faire mal à papa. Donc comment on va faire mal à papa? Bah, avec des witch surboostés en mode testostérone qui vont aller lui tabasser le groin gentiment. Morati, bah, je voulais un peu lui faire lancer ses sorts en mode je suis belle, etc. Non, on a fini ça. Maintenant, c'est Mama qui se vénère. Elle a vu ses filles mourir. Donc là, elle va se transformer et elle va casser des têtes. Donc le but de Morati, en fait, quand elle va se transformer au début de ma phase de héros. Donc, vu que le socle est beaucoup plus gros, je vais pas pouvoir le placer. Donc, j'ai le droit de le placer au plus proche. Donc, elle est là et elle va se mettre juste ici. Pourquoi elle va se mettre ici? Pour pouvoir bénéficier du buff de ma queen et relancer tous mes jets pour blesser ratés. Et après, elle va faire un petit saut et s'occuper de ses fanfreluches. Pack de boys. C'est ça. Ok. Donc, transformation de Morati. Et elle se positionne ici, à plus de 3 pas du mot crochat. Et ensuite, on continue ta phase. Alors déjà, j'ai gagné un autre point de commandement. Donc, je passe à 2 points de commandement. C'est très important. Donc, on va commencer avec ce qui est gratuit, c'est-à-dire mes prières. Donc, ma petite Hack Queen va faire boire son brouet de sang à Maman Morati, ce qui va me permettre de relancer mes blessures et immumoral. L'immumoral, je m'en fous, mais c'est surtout la relance des blessures, parce qu'elle tape très très fort. Donc ma deuxième petite Hack Queen ici va faire boire son brouet de sang au Fury,
juste ici. Donc mes prières, donc globalement, elles vont toutes cibler les squads de Fury. Donc on va, c'est sur un 3+, si je fais un As, je suis indigne de la bénédiction de Kane et je me prendrai une blessure mortelle. Donc on va pas faire d'As. Donc la première ici, qui a du coup le catéchisme du meurtre, donc c'est sur du 3+. 5, ça passe. Tu es digne. Alors le catéchisme du meurtre, pour chaque 6 pour toucher, je fais 2 touches. Donc la deuxième, ça va être ma Slaughter Queen. Elle est là, avec son petit chaudron. Ah ouais, ok. Alors, elle va cibler la même unité ouais. pour faire une relance des Feel No Pain ratée. Donc, c'est sur du 3+. 4. Tu n'es toujours pas indigne. Je suis digne. Non mais là, elles ont vu leur pote mourir, donc à un moment, il faut, faut se réveiller, quoi. Et la troisième prière, c'est ici. C'est pour faire... du coup, à chaque fois qu'il me tuera une figurine au cac, il, sur un 5+, il prendra une mortelle. Seras-tu digne pour la troisième fois consécutive? Je suis digne. Il est digne jusqu'au bout. Kane est avec moi. Alors du coup maintenant on va, avec Morati, on va lancer le Sphère du Désespoir sur le Mokrochat. Pourquoi? Parce que le Sphère du Désespoir me fait mettre moins 1 à la bravoure de l'unité. Donc lui il a une bravoure de 8. Mais Fury ont une bravoure aussi de 8. Mais le petit combo, si j'arrive à passer mon rasoir mental, si j'ai un commandant supérieur au sien, toutes mes blessures feront damage 2. Propre. Et donc potentiellement, avec une full reroll pour blesser, ça peut piquer vénère. Donc le sort est sur du 4+, il n'y a pas de bonus parce que maintenant elle s'est transformée, donc voilà, sur du 4+, allez, 8, c'est propre. Est-ce que tu veux dispel? Je vais essayer de dispel celui-là, avec le Wyrm de Nob, mon petit chaman qui a un bonus de plus 1, donc il faut que je fasse, bah, faut que je fasse 8. Ouf. Et bah c'est pas du tout, il n'est pas encore très chaud. Hein. Donc le Mokrochat passe à 7 en commandement. Exactement. Et là maintenant le sort le plus... indispensable de la phase, c'est le rasoir mental que la méduse va lancer sur les furies. C'est sur du 7. Elle a la Shadowstone qui lui permet d'avoir plus 1 pour caster ses sorts de l'ombre et une reroll des sorts, si jamais il passe pas. Allez, madame, tu me fais un gros score. Eh ben, ça fait 10. On est pas mal. Moi, je fais un petit 12, quoi. Hein. Avec le Wargoy Prophète. Et ben, c'est dispel. Oh, c'est dur, là. La WAG est avec moi. Et du coup, maintenant, dernière petite chose, c'est la prière pour réveiller l'avatar. Donc, c'est la même chose qu'une prière, sauf que je prends pas de mortel si je fais un As. Allez, Kane. 4. L'avatar se réveille et il est vénère. Je vais dépenser un point de commandement. Je passe à 1. Pour activer l'aptitude de commandement de ma Slaughter Queen. Donc, son aptitude de commandement me dit quoi? Si j'ai un ennemi à 3 pas, donc le Mokrochat, j'ai le droit de faire un mouvement d'engagement de 3 pas et le taper. Donc autant te dire que là, je vais lui envoyer 2 faces de cac et il va pleurer. Je vais activer mon aptitude de commandement. Donc mon unité de furie étant à 3 pas du Mokrochat, j'ai le droit de faire 3 pas de mise en enfin d'engagement et de taper. Alors du coup, à la fin de ma mise en contact, donc j'ai 6 witch sur les Gorgunta et 3 sur le Mokrochat. Elles sont équipées double dague. Donc elles ont 2 attaques de base, donc plus une avec la double dague, et plus une s'il y a un héros d'Author of Kane à 7 pas d'elle. Ce qui est le cas. Ce qui est relativement le cas. Donc là, c'est 24 attaques d'amour sur du 3+, les 6 c'est 2 touches, et full reroll pour blesser sur du 4+. C'est parti. Ça sent le cochon grillé. Ça sent le cochon grillé. Les 6 c'est 2 touches. Ce qui me fait 23 touches. Sur du 4+, relançable parce que j'ai passé... la prière. Enfin, j'ai fait boire mon brouet de sang. Oui, t'as fait boire. La reroll du 4+. Okay. Tout ça, c'est les sauvegardes. Un peu de save à 4. Sauvegarde des cochons. Pardon. Oh, alors, c'est moche. Ça a piqué un peu. Donc ça, c'est passé. Donc il n'y en a plus qu'un qui a un Feel No Pain à 6. Il est décédé. Et donc ça, après, c'est et dans du ton coup, bah, du coup, un cochon un mort supplémentaire. Et 3 du coup, PV. Le dernier, il va lui rester 2 PV. Donc il y a un cochon qui survit et il lui reste 2 PV. Ouais. Il reste encore les taquets qu'il va pouvoir mettre sur le Mokrochat. Ce sera clairement moins létal que ce qu'il a mis dans la tête des sangliers. Et ensuite il va pouvoir attaquer sa phase de mouvement. On se retrouve à l'issue. On arrive donc à la fin de ta première phase de mouvement, Argel. Est-ce que tu nous expliques ce que tu as fait? Alors, tout à fait. Alors d'abord Morati, elle s'est dépolarisée pour aller essayer de gérer ce pack-là. Normalement elle devrait pouvoir le gérer. Donc ça me ferait une menace en moins pour mes fifilles. Derrière, j'ai fait arriver des réserves Mekinerae. Alors j'avais le choix, soit je les mettais ici
ou soit je les mettais là. Là, je pouvais contrôler un objet, donc potentiellement marquer déjà 3 points pour le scénar. Mais d'un autre côté, lui est beaucoup plus dangereux. Donc, je vais essayer de le sortir. Si j'y arrive pas, de toute façon, je peux tenter une charge et je lui prendrai l'objet. Parce que je suis plus nombreux que lui. Et vu que je contrôle celui-là, voilà. Mais ça reste une charge. Elles peuvent bouger après avoir tiré sur un 4+. Donc, on va voir à la fin. Donc, ce qui va se passer, c'est que les Kinerae vont tirer sur papa. Maman va essayer de pétrifier le champion de cette unité-là. Et mon petit chaudron qui s'est activé va essayer de cramer le dernier porcinet. En mode Obélix, quoi. Donc voilà. Et ma méduse va essayer de pétrifier le moncrochat. Ok, et ben c'est parti. On attaque donc immédiatement ta phase de tir. Tout à fait. Alors on va commencer du coup par la méduse. Donc la méduse, elle a une règle un peu particulière. C'est qu'elle jette un dé par figurine de l'unité. Sur chaque 5+, ça met une blessure mortelle. Donc elle est très efficace sur les gros packs. C'est pas le cas. Là, il n'y a pas de gros pack. Il est juste gros. Il est juste gros. Ça compte quand même que pour un. Ça compte quand même que pour un. Donc sur un 5+, il prend une mortelle. Non. C'est pas le cas. Donc le chaudron, il a une attaque de tir à 10 pas. Donc il va cibler Cochonou à qui reste 2 PV. Oui. Donc c'est sur du 3+. Un fail. C'est sur du 3+, encore pour blesser. Donc 4 save à moins 1. Damage 1. Donc sur du 5. Et Cochonou meurt. Il est grillé. Cochon grillé. Voilà. Boum, boum, Obélix boum. Sera content. Alors, les Kinerae vont tirer. Donc, elles ont une attaque par tête. La championne a plus 1 pour toucher. Donc, elle touche sur du 3+. Donc, le dé rouge, c'est sur du 2. Et le dé blanc, c'est sur du 3. Allez, les filles. Oh, c'est beau. Elles se sont chauffées, là. Elles se sont chauffées. Elles se sont ambiancées, les pièges. Je te dis, mais Kane, là, il est vénère. Il avait un pack de 30, quand même. Donc, là, maintenant, c'est sur du 3+, pour blesser. Allez, les filles, on fait la même. C'est beau. Ok, 4 save à moins 2 parce qu'elles viennent d'arriver des réserves. Du coup, j'ai une sauvegarde à 5+, je prends 4 PV. Eh ben, tu prends 4 PV. Alors, ça pique. Alors, sur ce magnifique tir, on va jeter un dé. Donc, les Kinerae ont une règle un peu particulière. Après avoir tiré, je jette un dé sur un 4+, elles ont le droit de faire un mouvement. Ça va faire une faillite pour 4+. Exactement, et elles peuvent charger derrière. Allez, c'est beau. C'est beau. Les astres s'alignent côté Kane. Alors maintenant, le meilleur pour la fin, maman va essayer de pétrifier le champion d'unité de cette escouade-là. Donc, il a 2 PV. Donc, je jette un dé. Si je fais plus que sa valeur de PV, elle meurt automatiquement. Donc, c'est sur un 3+. Allez, Momo. Et ben voilà. C'est propre. Pétrificus. Pétrificus totalus. Du coup, maintenant, je passe à ma phase de charge. Donc, ce qui va se passer, c'est que les Kinerae vont aller botter les fesses de papa. Morati va déclarer une charge. Donc, si elle arrive à faire une grosse charge, elle peut même potentiellement se TP derrière pour aller lui faire des bisous à lui aussi. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Et les witch vont se rapprocher du mocrochat. Elles sont chaudes, les gonzesses. Ah là, elles sont quasiment full buffées, donc là, elles rigolent plus. Hein. Donc on se retrouve tout après de suite. Après les charges. Donc là, ma première activation, ça va être mes witch. Donc elles vont faire un mouvement de consolidation de 3 pas et attaquer. Donc il y en aura 8 au contact, donc 8 fois 4 attaques. Le but, c'est que Argeltol va activer cette unité-là en premier pour faire baisser les paliers du Mokrochat. Parce que lui, il va envoyer une riposte dangereuse. Ce qui fait qu'aussi, toi, tu vas, gros pif, tu vas activer une unité après les witch qui sera. Donc moi, je pense que j'activerai après les Hard Boys, les orques noirs. Pour essayer de baisser en palier Morati. Faire la même chose, voilà. Lui faire ses 3 PV du round. Après, de ton côté, Argel, toi, tu vas sans doute activer ici pour tuer notre ami le chaman. Pour finir le chaman à 1 PV. Et ensuite, il restera Morati à taper et peut-être le Mokro Chat, etc. Ça fait pas mal de taquets. Je vous propose qu'on fasse le point à la fin de cette phase de combat, voir qui reste sur la map par la suite. Bagarre! Donc, fin de l'activation des Witch, elles ont tapé, elles ont bien touché, un peu moins bien blessé, mais elle a bien sauvegardé. Du coup, je lui ai fait perdre que 2 PV. Donc, en tout, on en a perdu 3. Donc, du coup, j'ai activé mon pack de Hardboy comme prévu. J'ai fait un petit mouvement de piline, j'ai pu vraiment mettre 2 au contact de l'objet pour le préserver. Et je vais claquer un point de co pour pouvoir relancer les 1 pour rassurer. J'en avais 9 qui tapaient et j'ai réussi à faire les 3 PV du round d'Amorati. Ouais, puisque Morati ne peut pas perdre plus de 3 PV par round, et donc ça lui fait passer un palier dégressif, si je ne m'abuse. Tout à fait. Ok, la main retourne à Argeltol.
Alors là maintenant, mes Kinerae ont attaqué et elles ont fait un gros fail, donc elles n'ont fait rien du tout quoi. Elles sont bonnes au tir, mais c'est tocard au cac. Elles n'ont pas compris qu'il fallait prendre la lance de l'autre côté. Donc maintenant, c'est à toi d'activer et d'aller meuler ce que tu veux. Mokrocha ? Bah du coup, Mokrocha. Alors du coup, j'ai activé le Mokrocha. Donc Papa Megaboss, lui, c'est un peu chier dans la colle. Il n'a pas fait grand-chose. Par contre, la grosse bestiole a fait le taf. Avec ses flats 4. Elle a réussi à retirer 11 witch. 12. 12 witch qui, elles, grâce à leur bouclier, leur prière. Non, c'est la prière. C'est la prière. M'ont refait les mortels sur un 5+, et m'ont retiré 6 PV. Alors, Morati a tapé sur les Hard Boy. Alors, il a bien sauvegardé avec ses boucliers. Du coup, je lui ai tué 7 gus, c'est ça ? 6. 6. Le 7ème, c'est lui tué au Petrificus Totalus. Donc voilà, donc maintenant, c'est à toi d'activer. Il te reste ton. Ouais. Chanteur et mon Weird Boy là-bas. Tout à fait. Du coup, là, j'ai contre-attaqué avec le chaman, qui a fait une Kinerae en moins. Et là, Warchanter, ça servait à rien, parce que Morati avait déjà perdu ses 3 PV, donc il pouvait toujours taper sur elle, ça n'aurait rien fait de plus. Donc là, fin de mon tour. Donc, mon adversaire a utilisé un point de commandement pour sauver ses orques. Donc, en termes de scoring, moi, je contrôle cet objectif-là et cet objectif-là. Du coup, je marque 3 points. Et du coup, on est à 4 points, donc on est à 4 partout. Et donc maintenant, ça va être le jet d'init pour le T2. Alors, ce qui se passe, c'est que comme Gros Pif a eu le premier tour, s'il y a une égalité sur le jet de dés, c'est lui qui reprend la main. Donc allez-y, Gros Pif, des blancs, vous avez tous les deux le dé blanc. Non, des rouges. Des rouges pour le sang de Kane. Attention. Je le mets sur le 6. Hein. Allez, vas-y. C'est parti. Allez, Padas. Oui. Kane est avec moi. Double tour pour arracher le col, du coup. Alors, ce qui va se passer pour la phase de héros, ça va être à peu près la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, on va buffer ce pack de witch avec mes 3 prières, on va utiliser l'aptitude de commandement de la Slaughter Queen pour les faire taper en phase de héros, on va essayer de passer le rasoir mental avec ma méduse, et Morati va se mettre soit un petit bouclier mystique ou voilà. Un truc stylé quoi. On se retrouve à la fin de la phase des héros pour faire un petit récap de tout ce qui est passé ou pas. Alors voilà, fin de la phase de héros, donc on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et du coup, j'ai activé mon aptitude de commandement, donc j'ai tabassé le Mokrocha et il m'a fait des saves, mais dégueulasses. Et du coup, je le laisse à 2 PV, donc il lui reste 2 PV. Donc je vais essayer de le sortir en phase de tir avec mon super chaudron magique. Et pourquoi pas le regard de la méduse. Prière, il n'y a que le catéchisme qui est passé sur les furies, donc elles ont bu un brouet de sang. Et l'escouade de 10 a aussi bu un brouet de sang. Donc Morati lui a mis une blessure mortelle via son sort, l'horreur noire. Et voilà, donc maintenant on va attaquer la phase de mouvement. Ok, on voit sa configuration en phase de mouvement. Morati est engagé ici. Les flap-flap sont engagés ici. On a le pack qui est ici avec le Mokrocha. Là, on a encore un autre pack de 10 derrière, le chaudron, les persos. On se retrouve à l'issue de sa phase de mouvement. Alors, phase de mouvement, ce que j'ai fait, donc j'ai rapproché mes sisters ici, sur l'objectif. J'ai replacé une hague ici, la deuxième ici. Le reste n'a pas trop bougé, le chaudron est toujours à 3 pas, donc il va essayer de finir le Mokrocha, au pire de le finir à Okak. Et la méduse s'est mise là, donc après tout le reste est engagé. Donc maintenant, on va attaquer la phase de tir, et on va essayer de le sortir, ce goré. Donc ce qui va se passer, donc, c'est que le chaudron va cracher sur le Mokrocha. La méduse va essayer de pétrifier le Mokrocha aussi. Et Morati va essayer de tuer encore avec son regard de braise, je pense, la bannière. Et ici, les Kinerae vont tirer sur Gugus et essayer de le sortir. Vu qu'elles ne savent pas comment on se bat au cac, sortir au tir, quoi. On se retrouve à la fin de ta phase de tir, au résultat. Alors, fin de la phase de tir, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ça a été un peu un petit fail. Donc, le Mokrocha n'est pas mort. Donc, c'était l'objectif à la base. Donc, il a perdu un PV, donc il lui reste un PV. Les Kinerae ont sorti Papayou d'Adjump et Morati a fait son petit as qui va bien. Elle a pétrifié personne. Elle a pétrifié rien du tout. Ce qui nous amène directement à ta phase de corps à corps. Donc phase de déclaration des charges, j'en aurai pas. Oui. Parce que je fais le tocard avec mon chaudron. Et du coup, on va activer en premier les witch parce qu'il faut absolument que je sorte le crochat parce qu'il me fait trop mal. Après toi, Gros Pif, tu vas sans doute activer les Hard Boy pour enlever les 3 PV à Morati. C'est ça. Et derrière, Morati s'activera, puisqu'il ne pourra pas mourir.
Et après, on aura fait le tour. On se retrouve à la fin de la phase de fight, voir ce que ça donne. Donc après 4 phases de cac, le Mokrocha est enfin mort. Il est dead. Voilà, donc j'ai fait taper les Hard Boys, donc qui ont fait tout juste les 3 PV à Morati, donc qui est maintenant a perdu 6 PV en tout, donc la moitié du chemin est faite. Allez, plus que 6. Alors, bah, fin de la phase de combat, Morati a fait un gros fail, parce qu'elle n'a tué qu'un Hard Boy et demi. Donc, t'as commandé en combien avec eux ? Du coup, 6 avec la bannière, plus 2, donc 8. 8, donc ça ne fuira pas. Donc, score, donc je marque 1, 2, et comme j'ai les 2, ça fait 3, donc 4 encore. Donc, on passe de 8 à 4 pour moi. Et début de ton tour 2. Tour 2 des Oruk, on va attaquer la phase de héros. Gros pif, dis-nous ce que tu comptes faire. Alors, donc j'ai chanté avec mon War Chanter, faire le chant de bataille pour essayer de mettre plus 1 dégâts. Enfin, ça c'est automatique, donc c'est sur l'unité de grosse brutasse, va avoir plus 1 en dégâts. Je vais essayer de faire mon chant supplémentaire pour un 4+, essayer de soigner celui qui a un PV. Et après, il me restera plus que mon prophète qui va essayer de. Qui a 2 sorts. Donc il va faire le premier sort pour essayer de faire un peu de mortel dans le gros pack de furie. Et puis un deuxième sort, sûrement un bouclier mystique quelque part. On se retrouve à la fin de ta phase de héros, savoir comment ça s'est passé. Donc on a dit ce qu'on allait faire. Donc j'ai buffé mes brutes. J'ai pas réussi à soigner, à danser pour soigner mon Pierre Boys. Et j'ai lancé le sort là, qui est bien passé, qui a réussi à tuer deux Witch. Propre. Et voilà. Et puis un petit bouclier mystique sur les brutes. Donc elles vont pouvoir relancer les 1 de save. Ok. Vous voyez sa configuration au début de sa phase de mouvement. On se retrouve une fois qu'il a bougé, à savoir que ce pack de boys est engagé, ainsi que le chanteur de guerre y est aussi. On a le pack des grosses brutasses ici, on a le pack des boys là, et rest in peace le Mokrocha, on se retrouve une fois qu'il a bougé. Du coup, j'ai avancé les brutasses pour après tenter la charge ici, éventuellement si j'ai une grosse charge, choper l'objectif qui est ici. J'ai désengagé ici les Hard Boys. Avec le War Chanter, parce que j'ai déjà fait les 3 PV à Morati, donc à part m'en prendre dans la mouille, ça sert à rien que je reste au contact de la miss. Et là, bah, du coup, comme j'avais fait une bonne erreur de placement, là, je vais me remettre contre les Kinerai, nettoyer les Kinerai, récupérer mon objectif qu'elles m'ont volé. Et puis voilà. Donc tentative de charge des Brutas sur le. Enfin, ils vont charger, donc je suis à 5,5 des Witch, j'ai plus 1 à la charge. C'est loupé. T'as une reroll, non ? Je peux. J'avais mis mon petit mec à 6 pour claquer mon petit point de co. Qui même, va bien. La même. Et là, on serre les fesses. Non ! Ça fait 8. Donc, du coup, grâce à la reroll et à la charge, j'ai pu impacter le groupe et surtout aller prendre l'objet. Ce qui va pouvoir je vais pouvoir le contrôler l'objet à la fin de la phase. Et du coup, bah, je vais commencer par activer eux et faire un petit mouvement de conso. Et là, voilà, j'ai réussi aussi ma charge, qui était une charge auto, sur les Kinerai. Du coup, là, donc j'ai fait mon mouvement de conso, ils vont tous pouvoir taper ce qu'ils tapent à 2 avec leurs lances, quoi. Ouais. Donc, l'équivalent de les lances orques. Donc, j'en ai 7 qui ont 3 attaques chacun, donc sur du 3+, sur du 3+, encore. Il est pas mal sur sa 3+. Ouais, il est bon. Et donc, il y a déjà tout ça. À moins 1. Ouais, je vais faire exactement le même nombre de 5, tu vois. Dégâts 2. Moins 1, donc tu saves sur du 5. 5. Save à 5. Je fais pas autant de 5 que toi. Et, MD, et ça double le nombre de. Du coup, ça fait 2 blesses. De Finopain. Ouais. Finopain à 5+. Oh. C'est pas mal. C'est coquinou. Mais c'est qu'il est coquinou sur la 5+. 3, 7. 6, 7 mortes. 7. T'as fait des stats mieux que du 4+ sur ta 5+. C'est clair. Le boss, il a 3 attaques, pareil, yes. Sur du 3+. 3+. Ok. 3+. Re-3+. Moins 1. Sauf que lui, il fait plus de damage, non ? Et il va faire 3 dégâts par 3 dégâts. Ouais. Moins 1, save à 5. Donc ça en fait okay. 3. Ça fait 3 flats, puisque l'arme est à 2 et il a passé le truc qui va bien. Ça fait 3 morts supplémentaires grâce au chef. 2 gros éventreurs, ouais, les éventreurs, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça tue des gens. Ça fait 3 attaques chacun, par contre, t'as tout sur du 4+. Ouais. Mais c'est pas mal non plus. Ouais. Après, ça blesse sur du 3+. Ouais, je sens que ça fait du damage, ça, non ? Ça fait du moins 1 et ça fera aussi 3. Ok.
Save à 5 d'Argeltol. Oh, c'est pas mal. Propre. Donc 3. Fil no pain. Attention, mesdames et messieurs. C'est propre, à mort. Ils ont tué 11 petites biatches. Je m'attendais à mieux, mais c'est la vie. C'est déjà pas mal. Ok, ils ont tapé, et donc la main est à Argeltol, qui va sans doute activer les Kinerae. Et ensuite, Gros Pi fera taper les boys. On pourra et aller derrière, les biatches vont taper là-dedans. On se retrouve une fois que le sang a coulé. Ouais, donc Merle Boys ont fait ce qu'ils devaient faire, à savoir tuer les Kinerae. Ouais. Récupérer l'objectif. Là, les Witch m'ont tué une brute et j'en ai perdu une supplémentaire au moral en faisant un magnifique 6. Ce qui fait que à la fin de mon tour, je vais marquer 6 points au total. Un point ici, 2 points pour le centre et 3 points pour les deux objectifs que je contrôle face à face, amenant mon score à 10 contre 8. Ok, maintenant le G pour savoir qui repart. Donc c'est toi qui a, c'est Argeltol qui a le dé rouge et qui gagne en cas d'égalité. Allez, c'est parti pour le G de dé. T'es sérieux ? Un bel as. Et donc c'est Argeltol qui récupère la main et on attaque immédiatement le tour 3. Alors ma phase de héros, ça va ressembler à... comme beaucoup des phases de héros précédentes, c'est-à-dire buffer les 5 petites qui me restent pour les faire taper directement en phase de héros. Donc avec une DA Queen, je vais les buffer, l'autre, je vais buffer les Sisters. Avec la Slaughter, je vais aussi buffer potentiellement plus les Sisters parce qu'elle, elle a le buff de dégâts qu'elle renvoie. Donc après, la Méduse va essayer d'envoyer le rasoir mental enfin au moins une fois, histoire de vraiment faire mal. Morati va balancer un spell, un sort de blast. Et puis voilà, on est déjà pas mal. On est pas mal, on se retrouve une fois que tout ça est passé et que la colère de Kane s'est déversée. Alors, une phase de héros plutôt constructive. Donc, Morati a lancé son regard noir sur cette escouade de Hard Boy et en a sorti 3. Ça, c'est propre. C'est propre, elle a fait 6 mortels. C'est propre. Derrière, j'ai buffé mon chaudron. Donc, le chaudron, il est sous catéchisme du meurtre. Il est sous brouet de sang, donc il va reroll, full reroll pour toucher, full reroll pour blesser. Il est sous rasoir mental, donc autant te dire que lui, il faut pas venir le chercher. Parce que lui, il te retourne tout. Mon autre escouade est sous reroll les fils no pain et brouet de sang. Donc voilà, donc le but maintenant de la phase de mouvement. Et je lui ai sorti aussi une brutasse en activation avec ma capacité de commandement. Donc là, le but, ça va être quoi ? Il faut absolument que je remonte au score, parce que là, ça va vraiment être difficile. Donc, ça va être un peu de dépolariser, de sortir cette unité, parce que cette unité me fait vraiment trop mal, de venir avec ces sisters-là entourer les brutes. On est sur de la manœuvre de corps d'armée, là. Ah ouais, non, mais là, général de division. Hein. Et du coup, le chaudron qui va venir, qui va impacter ici pour leur casser la bouche. La Queen qui va, je pense, faire une petite course pour venir prendre l'objet au cas où. Et je pense qu'on est. Et Momo, elle va charger ou pas, tu penses ? Ah, Momo, je me tâtais, mais je pense que. Ouais, je pense qu'elle va les tâtonner. Tâtonner de l'Uruk. Alors, fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait courir ma Queen ici pour au moins le contester. Ça, il pourra pas me le prendre. J'ai bougé Morati, je l'ai éloigné des 15 Hard Boys qui, mine de rien, peuvent me faire mal. Donc, son but, ça va être vraiment de taper les 4 derniers, voire d'en tuer un avec son regard si elle ne fait pas encore comme tout à l'heure. Et donc, le chaudron full buffé va arriver pour impacter les brutasses. Et derrière, j'ai fait un petit cordon avec mes Slaughter pour prendre cet objectif-là. Donc, il a 4 pour l'instant orcs dessus, moi j'en ai mis 5, au cas où je n'arrive pas à les sortir, ça je pourrais marquer quand même 2 points ici, 1 point ici, et peut-être 1 point ici, et là-bas si j'arrive à les sortir, on passe un peu plus. Immédiatement à ta phase de tir, je te propose qu'on fasse le regard de la reine. Le regard de la reine. Alors, donc, va-t-elle ? Elle va cibler le porte-étendard, comme tout à l'heure, allez, et ben il est mort. Propre, ils sont propre, plus que 3. Propre. Alors, la méduse, elle va faire aussi son regard, mais elle a un regard particulier. Il reste 3, 6, 7 boys dans... Meganobs. Si on veut une référence 40K, là, pour le coup, c'est pas des boys. Bon, 7 Meganobs. Je jette un dé pour chaque 5+, c'est une blessure mortelle. Propre. Propre.
Bah, une. J'en ai un qui passe à 2 PV. Tout à fait. Et je vais faire l'attaque de mon chaudron. Donc, il a 6 attaques de torrent. Wow. Donc, c'est sur du 3 plus relançable parce qu'on est au tour 3. Toc. C'est du 3 plus relançable parce qu'il a bu son brouet de sang. S'il a bu son brouet. Il a bu son. Ok. Il a bu toute sa soupe. Et donc là, c'est rend moins 1. Et par contre, c'est flat 2. Bah, il y en a. Du coup, ça fait 2 PV. Il y en a un. Ça fait un qui saute. Un qui est mort. Et t'auras fini ta phase de tir là-dessus, mon bon Rachel ? Ouais. Et après, on va attaquer la phase de bagarre. Bah, le chaudron, il va charger là-dedans. Donc, il est à 3 pas. Morati va charger là-dedans. Elle est à 3 pas. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content et on fait des bisous et puis voilà. De toute façon, tu vas charger avec le chaudron en premier et tu vas déclarer le chaudron en premier pour taper. Tout à fait. De son côté, gros pif va activer forcément ses 3 boys pour essayer de faire les 3 PV à Morati avant de mourir. Et après, Morati va leur taper dessus. Quoi qu'il arrive, on se retrouve à la fin de la phase de la bagarre du tour 3. Pour savoir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le chaudron a tout simplement éclaté toutes les brutes tout seul. Donc, ça c'est fait. Donc, du coup, il permet de récupérer ce point-là et ce point-là. Morati a fait un gros fail. Elle a enlevé qu'un seul PV sur toutes ses attaques à un hardboy qui était déjà entamé. Du coup, il a craqué un point de commandement pour les sauver au moral. Et du coup, je ne peux pas prendre cet objectif, donc pas marquer 2 points supplémentaires. Donc, je marque 1, 2, 3, 4. Et ça va être au tour de mon adversaire. Donc, je passe à 12 et il est toujours à 10. Fait notable aussi, c'est que ce gars-là a enlevé 3 PV à Morati. Ce qui fait que Morati, il ne reste plus que 3 PV. Tout à fait. Elle est pas bien. Ça commence un peu à piquer les yeux, moi, vas-y. Elle boitille. Donc, phase de héros. Donc, bah, il me reste plus beaucoup de héros. Donc, le petit prophète Bone Splitter, il va lancer son sort pour balancer des mortels sur le petit pack de 10 Slaughter. Sister Slaughter. Sister. Et après, il va faire probablement plutôt un bouclier mystique pour essayer d'avoir la reroll des 1 sur eux. Le Warsh Hunter, il est un peu loin de tout maintenant, donc il va s'auto-buffer. Et puis, voilà, on sera bien. Et en termes de mouvement, bah ça, tout ça, ça va avancer. Je vais essayer de reprendre l'objectif central. Si possible, avec une bonne charge, reprendre cet objectif-là. Là, je vais back, hein, parce que de toute façon, j'ai fait ces 3 PV à Morati. L'objectif, voilà, c'est de garder le contrôle de l'objectif. Et on sera pas mal. Alors, donc, je me suis désengagé de Morati, parce qu'elle avait déjà perdu ses 3 PV, comme tout à l'heure. Donc on se bataille un peu sur cet objectif comme des moules. J'ai fait un mouvement un petit peu bizarre. Là, je vais dessiner un petit S, un petit point d'interrogation avec mes boys pour essayer de récupérer. L'idée, c'est de récupérer le central. Et si je fais une bonne charge, mais ça va être dur d'aller prendre aussi l'objectif là-bas. Voilà, sachant qu'il bouge que de 4, on fait ce qu'on peut. Quoi. De toute façon, t'as plus de tir. Donc en vrai, on passe immédiatement à la phase de charge. C'est la phase de charge. La seule charge, ça va être eux. Donc c'est la grosse charge. Sachant que t'as la reroll grâce à ton perso. J'ai un petit perso derrière qui peut me donner la reroll. J'ai plus 1. Donc quoi qu'il arrive, je vais impacter les petites furies là. Allez, et on va savoir le G. On le relance. Il est sous clé. Allez, moi je te l'accorde, c'était une charge à 13. À la fin de la phase de combat directement, puisqu'en gros les boys vont venir impacter ici et on va voir s'ils font le café et qu'ils arrivent à sortir les 10 petites biatches et on se retrouve à l'issue. Bah, c'est pas très beau ce qui s'est passé. En fait, j'étais trop gourmand avec ma grosse charge. Du coup, j'ai pas du tout vu tous les mouvements qui m'a fait derrière, donc il m'a fait des pilines dans tous les sens. J'ai perdu plus de la moitié de mes hard boys. J'ai perdu, du coup, je ne contrôle plus le centre. J'ai reperdu 3 hard boys au moral. Du coup, ce qui fait qu'à la fin, je ne contrôle plus que les 2 objectifs du fond. Donc, je vais marquer 2 points, ce qui va nous amener à une égalité 12 partout. À 12 à la fin du tour 3. Alors, pour revenir sur ce qui s'est passé, en gros pif, quand il a chargé avec ses boys avant qu'il meure, il s'est trop, il a voulu être un petit peu gourmand en allant chercher le 3, et il s'est trop rapproché de elle, de la queen qui est là, ainsi que des 5 unités qui sont là, ce qui a fait que déjà, Argelton a très bien sauvegardé et n'a perdu que 5
figurines sur ce pack là et du coup il a pu activer celle-ci pour récupérer le centre et avec ses persos et celle-ci il a fait beaucoup de dégâts et en plus il a perdu du monde au moral, ce qui fait que ça n'a pas été très productif comme manœuvre. Néanmoins on arrive à la fin du tour 3, attention pour le double tour, il est temps de pas faire encore un as. Encore un as. Allez, allez c'est parti. Ah c'est mieux. 4. Bon, pas de double tour ici sur le tour 3, donc on va attaquer le tour 4. On va aller voir de suite Argeltol pour ses intentions de jeu sur ce tour. Alors là, mes intentions sur ma phase d'héros, ça va être quoi? Ça va être assez simple. Ça va être encore une fois rebuffer mes unités. Donc potentiellement mes sisters ou mes furies, ça n'a pas trop d'importance. Claquer mon aptitude de commandement pour taper directement en face de héros. Et clean ou amoindrir vraiment fort ce pack-là. Et après, sur ma phase de mouvement, bah, amener le chaudron, buffer avec la queen et buffer par lui-même. Rouler dessus. Leur rouler dessus comme la rouler sur les brutes. Et en fait, téléporter, entre guillemets, mes slaughter là-bas. Pour que sur un T5, je lui prenne son objet là-bas. Et que je score. Du coup, à la fin de mon T4, normalement, ça n'existe plus. Morati, si elle se réveille un petit peu, peut sortir les deux boys, voir le papa. C'est pas sûr, vu ce qu'elle a fait jusque-là. Et les sisters qui courent, ou les furies qui courent, lui prendre son objet. Donc voilà, c'est mon intention de jeu pour le T4. Ouais, donc moi, je vais concéder. C'est un peu mort, là, pour moi. Le fait d'avoir été trop gourmand, d'avoir mal positionné mes boys, enfin mes hard boys, me suis vraiment pris la rafale derrière, ce qui fait que je contrôle même plus le centre, j'ai pas le double tour, donc là de toute façon je vais me faire rouler dessus et je n'en aurai plus assez de map control et pour reprendre les objets et il va dérouler, je vais plus scorer quoi. Alors on arrive maintenant à la fin de la partie et on passe au débrief. On se retrouve pour la fin de cette partie Age of Sigmar qui se voyait opposer les Daughters of Cain d'Argeltol contre les Orcs de gros pif. Donc une partie qui se joue serrée jusqu'au T4 et clairement t'es sanctionné par ce positionnement un petit peu greedy, un petit peu gourmand le positionnement. La grosse charge à 13 en plus. la grosse charge à 13. Mais ça c'était senti au tour précédent, t'avais commencé à faire des S sur tes mouvements. On sentait qu'au niveau des boys ça commençait un peu à partir en vrille. Non mais globalement ouais effectivement petit positionnement un petit peu manque de précision sur le positionnement et puis le Villargel il a saisi l'occasion pour sauter à la gorge. Donc concrètement vous arrivez à 12-12 à la fin du tour 3 et clairement passer le tour 4 il n'y a que Argeltol qui va pouvoir rentrer des points, j'ai plus rien sur donc la partie a plus énormément d'intérêt d'être continuée par delà le tour 4 hormis creuser un delta entre tous les deux. En tout état de cause, je prends votre ressenti sur la partie. On va commencer par le gagnant du match, petit peu, tu vois. Dis-nous tout. Comment t'as trouvé Alors j'ai vachement transpiré T1 parce qu'en fait le Mokrechat qui me sort un pack de 30 avec potentiellement un double tour derrière. Là j'étais vraiment pas bien. Après il nous a fait des sauvegardes de cochon ce Mokrechat, donc il m'a fallu 4 phases de cac pour le sortir, enfin 2 phases de cac pleines plus 2 phases de héros avec double activation. Donc c'est vraiment une fois sorti, je respirais un peu plus, même si derrière je savais que j'avais 15 hard boys et 10 brutes qui allaient me rentrer dans le groin. Donc là j'ai serré les fesses très très fort pour pas que mes furies se fassent des pop. Finalement sur les 30 il m'en reste que 5 à la fin, donc elles ont quand même pris tarif. Moi j'avoue que t'as pris je t'ai vu prendre l'impact au premier tour. Je me suis dit ah ouais le pack de furie qui a sauté quand même. Et en fait tes couches en fait d'oignons, tu les as envoyées tour par tour en fait. Ouais. Et c'est vrai que on a tendance à se focaliser sur le fait des unités à grand nombre comme les furies etc. Mais quand ton chandron il est sorti du sentier, il a été tambouriné sur les méga nobs, il a sorti la squad direct et ça pour moi ça fait une grosse différence. Et sans toutes ces attaques. Mais ça a fait du lourd. De ton côté gros pif toi la partie comment tu l'as ressenti? Super partie. Alors pareil, moi je misais beaucoup sur une alpha, sur une grosse alpha, et je craignais le double tour dans ma mouille, et je l'ai pris. Et puis voilà. Cadeau. Du coup, le Mokrechat, au moins, il a pu
maintenir un petit peu les Doctor of Kane chez elles, ouais. Parce que sinon elles se seraient baladées sur toute la table, ça aurait été peut-être encore plus compliqué, mais c'est vrai que avec ce double tour, c'est un en init à chaque fois, bon ça... Ouais, trois fois en plus, hein. Trois astes. Un peu piqué, sinon j'aurais peut-être... pu l'asmater encore plus dans son coin, je l'aurais laissé dans son coin, c'est moi qui aurais peut-être pu prendre un peu plus la table du coup. Et moi je pense vraiment que t'as vraiment bien fait d'Alpha en fait, de lui rentrer dedans, parce qu'on voit que le Doctor of Kane, plus on passe les tours, au mine de rien, plus il tape fort, etc. Donc lui rentrer dedans dès le début, ça lui pique un peu les yeux. C'était ça, ouais, j'étais l'objectif, c'est de le bloquer, d'essayer de dénonder un peu ses packs, et puis après de serrer les fesses... Surtout qu'en plus, T1, tu m'impactes et je suis pas buffé. Donc là, pour coup, j'ai rien du tout. J'ai pas d'immu moral, j'ai pas de... C'était ça. Voilà, donc c'est ça. Le T1 fait très très mal. Entre les Gorgunta. Après, les Gorgunta ont pas fait tant de morts que ça, mais ouais, vraiment. Il fallait les gérer derrière. Fallait les gérer de toute façon. C'est la première chose que j'ai gérée, parce que le Mokrocha, je savais que j'allais pouvoir potentiellement le sortir avec la vague de furie qui rentrait derrière. Alors, ça avait pas été le cas. Mais voilà, après Morati. C'est un peu chier dessus. Hein. Ouais, elle n'a pas réussi à sortir quand même 15 armes boy, il en reste deux à la fin. Du coup, elle s'est bloquée là-bas, c'est très bien. Ouais, mais ça va, son chaudron a fait le taf. Ah, le chaudron, ouais, heureusement, heureusement. Mais... Il a désingué les brutes. On arrive donc à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, rafale de pouces bleus des familles. Je vous rappelle, les potos, que le tapis sur lequel on a joué, il est balancé par Crank War Game. Vous avez les liens d'affiliation, tout le bazar, dans la description. Les objectifs, c'est My Scenari. Les décors, c'est My Scenari. Tout ça, ça fait plaisir. On passe aussi un gros coucou à la 20e Légion. Ouais. Et nos copains de Fontenay qui nous ont envoyé gros pif pour cette partie d'aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao, salut.